Normandie matin. Tendance Ouest. L'éphéméride. Aujourd'hui, mardi 23 juin, nous souhaitons une bonne fête au Audrey. C'est la journée mondiale de l'Olympisme et nous souhaitons un très joyeux anniversaire à deux champions du monde. Le premier, l'un des plus grands, numéro 10 du foot français, Ballon d'Or 98, champion du monde, champion d'Europe, Zinedine Zidane à 48 ans. Yorkaef et but ! Zidane ! Deuxième but de Zidane ! Je vous avais dit, il y avait le corner qui venait, il y a eu deux corners ! Et c'est le doublé de Zinedine Zidane. On a tendance à l'oublier, mais il était aussi dans la liste des 22 bleus d'Aimé Jacquet. Patrick Vieira fête ses 44 bougies. Et Yann Tiersen a 50 ans. C'est lui qui a composé la bande originale du fabuleux Destin d'Amélie Poulain, pour laquelle il obtient le César de la meilleure musique de film en 2002. Enfin, de son côté, Jason Mraz a 43 ans. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the crowd. Now I'm trying to get back. Il y a 29 ans, c'était la découverte du premier jeu vidéo Sonic. Depuis, c'est devenu l'un des plus célèbres jeux vidéo du monde, avec plus de 70 millions d'exemplaires écoulés sur la planète. Il y a 9 ans, le 23 juin 2011, disparaissait Peter Falk, acteur américain rendu célèbre en interprétant l'inspecteur Columbo pendant 35 ans. Il avait 83 ans et Columbo lui a permis de remporter 4 Emmy Awards du meilleur acteur. Oh, ma femme ne voudra jamais le croire. Enfin, le 23 juin 1990, il y a 30 ans, à la radio, on pouvait entendre ça. Maldon de Zouk Machine est le premier numéro 1 des charts en langue créole antillais. Il restera 9 semaines en tête du top 50. Podcast by Tendance Ouest.